Eh bien, salut à tous, c'est Fixi, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les petits potons, on se retrouve sur Red Dead Redemption 2 pour vous présenter un easter egg. Allez, c'est parti. Avant de vous montrer le corps, je vais tout simplement montrer sur la map où ça se situe. Donc, le corps se situe juste ici. Voilà. Juste là. Alors, on va y aller. Donc, voilà le corps. Alors on peut le fouiller, mais on va prendre le temps d'abord de l'examiner. Donc comme vous pouvez apercevoir, c'est un esclave noir. On peut apercevoir des chaînes à ses poignets. Voilà. Donc voilà. Ça prouve bien que c'est un esclave. Et on peut aussi apercevoir de chaînes à son cou. Alors en fait, ces chaînes-là étaient très spéciales. Elles étaient attribuées aux esclaves noirs qui étaient particulièrement, disons, dangereux ou tout simplement qui n'écoutaient pas ce que disaient les chefs entre guillemets. Et donc en fait, ils leur mettaient des sortes de colliers comme ça avec des pics. Donc quand ils s'échappaient, en fait, le but de ces pics était tout simplement de ralentir l'esclave. Et en fait, ces pics se plantaient dans les arbres, etc., etc. Et ça pouvait tout simplement, c'est censé le ralentir. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, les amis, c'est qu'on va le fouiller. Donc on sait pas vraiment de quoi il est mort. Hein. Il a pu être mort simplement d'une balle ou de je ne sais quoi. Peut-être. Je pense qu'il est mort plutôt de noyade parce qu'il est juste à côté d'un fleuve. Maintenant, on va tout simplement lire la lettre d'Edgela à son oncle Lewis. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Lettre d'Elijah à son oncle Lewis. 6 septembre 1861. Cher oncle Lewis, je serai bref car je suis encore en fuite. Après avoir échappé au feu de la famille Pennington, j'ai été capturé par un homme blanc près de la ville de Rhodes et j'ai passé les 3 derniers mois dans les pires conditions de ma vie. Il m'a emmené dans une cabane appelée Old Harry Fen, au sud des Limones, donc après on ira, et je suis resté enchaîné à un mur jour et nuit dans une pièce crasseuse avec à peine de quoi subsister. J'ignore si c'était un marchand d'esclaves, quelqu'un de malfaisant ou les deux à la fois, mais je n'aurais pas survécu longtemps si je n'avais pas réussi à me libérer. J'ai l'intention de partir dans le Canada en prenant des précautions pour vous rejoindre. Toi et mon cousin Samuel. Je pense qu'il me faudra plusieurs semaines, mais j'ai la ferme intention de rester libre et j'ai hâte de poursuivre mes études avec toi. Je vais monter clandestinement dans un train qui part vers le nord et je posterai cette lettre dans la prochaine ville. Donc il y a sûrement un rapport avec Jemian Compson qui était tout simplement un des gardes qui gardait la cave, bah, les cases avec les esclaves. Donc il y a sûrement un rapport avec ça. Voilà, le pauvre, j'espère qu'il a pas trop souffert. Donc voilà, on peut apercevoir le fameux collier. Et c'était terrible hein, cette époque, franchement c'était terrible. Maintenant que je vous ai présenté entre guillemets ce corps, on va tout simplement aller voir le deuxième endroit. Deuxième endroit les amis, je vais montrer sur la map où ça se situe, c'est juste à côté du corps. Donc le corps est juste ici et le deuxième endroit est là. Voilà, je vous montre, hein, je prends un peu de hauteur, juste ici. Voilà. Donc, tout à l'heure, je me demandais de quoi il était mort. Bah, maintenant, je sais. Il est tout simplement mort, noyé. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est son bateau. Voilà. Donc, il a dû avoir une immense, une grosse, grosse tempête pour qu'il se retrouve juste en haut. Donc, je vais voir si on peut apercevoir des choses et tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut apercevoir ? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, il n'y a pas énormément de trucs. Là, ici, on peut apercevoir le câble, le fil de la canne à pêche. Voilà, qui s'est accroché à la branche. Il y a peut-être d'autres choses, peut-être qu'on peut trouver peut-être un corps, hein, j'en sais rien, moi. Je découvre en même temps que vous. Non, il y a vraiment pas grand chose. Donc voilà, ça c'était le bateau de l'esclave noir qu'on a retrouvé mort. Donc là, il y a une petite boîte qu'on peut malheureusement pas ouvrir. C'est assez dommage.
Et ici, on peut apercevoir une gamelle avec rhum pirate vieilli. On va prendre ça. Ensuite, on peut trouver une petite embarcation juste ici. Voilà. Donc, il aurait pu s'enfuir par là, mais le destin a fait qu'il est malheureusement décédé. Voilà, malheureusement. Ensuite, dans la lettre, on a pu lire qu'il a emmené, donc il, c'est tout simplement le garde, l'a emmené dans une cabane appelée Old Harry Fen, au sud du Lemoyne. Donc on va tout simplement voir où se situe cet endroit et on va s'y rendre. Donc cet endroit se situe juste ici, voilà, en dessous de Brinton Manor. Donc j'ai mis un point et on va s'y rendre direct. Allez, c'est parti. Nous y voilà. Donc je vous remonte sur la carte où on se situe. Voilà. Donc on va y aller. Donc ça c'était la fameuse maison où se trouvait notre esclave, qui est malheureusement décédé. Donc là c'était les cases où étaient enchaînés les esclaves. On va examiner le plancher. Là on peut y trouver une lettre. Donc on va regarder la photographie utilisée. Donc voilà, là c'était la famille d'esclaves qui se trouvait dans cette maison. Voilà. Donc ils étaient tous enchaînés, comme vous pouvez le voir, on peut apercevoir, il y a même des habits. Voilà, il y a encore les chaînes, il y a ces... Voilà. Il y a une petite fenêtre, je sais pas pourquoi, mais bon, il y en a une. Voilà, donc ils étaient tout simplement entassés. Et donc là, c'était là où vivait, je suppose, soit la famille, ouais, sûrement, ou alors quelques gardes, ou alors c'était des gardes qui dormaient là-dedans. Ça doit être ça, je pense. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le morceau de journal. On va tout examiner, hein, c'est très important. Petite tasse de saumon. Alors, qu'est-ce qui nous dit? Donc, utiliser. Morceau de journal d'un chasseur d'esclaves. Récompense de 200 dollars. S'est enfui de chez le souscripteur dans la nuit du 17 août. Nègre se faisant appeler Curtis Royal. De corpulence robuste, environ 27 ans et mesurant 1,80 m. Se peigne les cheveux et a des marques de coups de fouet sur le corps. Plutôt renfrogné. Il répond rapidement quand on lui parle. Donc voilà, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils lui ont mis un collier assez spécial avec des tiges en métal sur le côté pour simplement le ralentir dans sa fuite parce qu'il était, voilà, apparemment renfrogné. J'offre une récompense de 200 dollars pour l'arrestation et le retour du dit individu à la prison de Rhodes ou à ma propriété à Shady Bell, à Scartlane Maidan, dans l'état du Lemoyne. Joseph Charles Ward. Le 28 avril 1859. Donc voilà, ça nous prouve bien qu'il s'est enfui. Voilà, donc il s'est enfui d'ici. Et malheureusement, mais il est décédé, hein, noyé, je pense. Il a dû avoir une grosse, grosse tempête. Et son bateau, comme vous avez pu le voir, s'est retrouvé tout simplement dans les arbres. Alors, on va sortir. Alors. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? En tout cas, de l'extérieur, la maison, ben, la case, hein, fait extrêmement peur. Voilà, on va pas se cacher. C'est absolument pas rassurant. Donc vous imaginez, voilà, il y avait une famille de Noirs qui se situait, voilà, qui habitait ici en quelque sorte. Et qui travaillait dans les champs, je suppose, je sais pas où est précisément le champ. Et voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit historique vous aura plu, vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à m'exploser à un like et à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'est fixe, portez-vous bien, allez ciao ciao.